Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness de la vérité. J'espère que vous allez bien. Ouais, tranquillou, mon caméraman n'est pas là comme d'hab. Donc, je vais évoquer plein de choses avec vous, les abonnettes et les abonnés. Donc, j'ai eu pas mal de réflexions dans la salle. Pour mon gabarit à 64 kilos, oui, donc je ne prends pas de stéroïdes. Je ne prends pas de la globutérol et je ne prends rien du tout. Je prends que des compléments alimentaires, sachez-le. Donc, mon gabarit, oui, c'est vrai, je pose du lourd au niveau presse à jambes. Oui, puis les abdos aussi, j'enchaîne. J'enchaîne de plus de 60 séries, entre 60 et 100, et 105, 120, non-stop. Au niveau en une seule fois. Il y a plein de gens qui croient qu'ils lancent une réputation dans la salle de musculation comme quoi je tape des stéros. J'ai évoqué avec pas mal de personnes que je prends que des compléments alimentaires. Je prends de la créa, la glutamine, ça fait pas de mal, ça donne un peu de boost, mais ça fait pas mal de mois et des années que je m'entraîne en force pour les jambes et pour d'autres muscles que je filme pas, que je reste voilà pour l'instant quand j'aurai finalisé ma charge lourde, après je peux vous le démontrer et filmer en direct. Donc il y en a plein qui croient que je tape ça. Non, c'est tout du naturel et je pousse avec 90% de ma force. Il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas. Non, il y en a qui étaient carrément dépités à la salle que j'ai soulevé. La machine, elle faisait 80, la machine, elle fait 80 kilos plus 420. Ça fait 500. Au niveau des abdos, au niveau des exercices en cuisse, j'ai énormément d'exercices en cuisse que je ne filme pas pour l'instant. Il y a pas mal de gens. J'ai parlé avec eux, que j'ai dialogué. Ils me disent, ouais, c'est pas possible avec ton gabarit, tu pousses du lourd, les gens ils croient que tu tapes ça. Non, je tape pas ça. C'est nourriture, sommeil, la bouffe et c'est tout. C'est clair et net que je travaille avec Fitness Classique 2.0, qu'on filme pas aussi certains entraînements parce que je pousse du lourd quand même et c'est avec ma motivation, c'est ce que je voulais, j'ai un objectif. Donc, arrêtez de me prendre la tête avec les stéroïdes, avec d'autres piqûres dopées. Ouais, il y en a plein qui disent que je suis dopé. Il y en a plein qui disent que je suis pas dopé, moi. Si vous savez pas faire des exercices, allez voir un coach sportif, allez voir sur les sites internet, allez voir pas mal de youtubeurs pour qu'ils vous montrent. Voilà, je n'ai rien à foutre de tout ça, moi. Ce qui peut raconter les gens, je m'en fous. Il m'a dit, ouais, comment tu peux être sec comme ça, tracé, c'est pas normal, tu prends quelque chose. J'ai évoqué avec pas mal de personnes à la salle. Donc voilà, après moi c'est pas de ma faute, c'est génétique, voilà, c'est le boulot qui paye, c'est tout qui paye. C'est tout qui paye. Oh, il y en a qui me disent, oh, tu vas mourir avec des compléments alimentaires, tu vas faire un arrêt cardiaque, oh, arrêtez, quand vous fumez votre chichon dans les caves, là, quand vous buvez de l'alcool là, dans les bars ou dans les voitures ou dans les rues, que vous touchez je ne sais pas quoi là, un truc qui monte au cerveau, est-ce que c'est dangereux? Ouais, c'est dangereux, c'est plus que dangereux qu'un gainer, oui. Le gainer, c'est pas dangereux, c'est arrêter de voir des choses dès clairement que vous arrivez pas à soulever, que vous avez pas d'effort. Arrêtez, c'est bosser, fermez votre bouche et tout. Puis arrêter certains trucs, ouais, bloc poulet, manger 1 kilo de bloc poulet, manger des pâtes, voilà, c'est manger des pâtes et voilà, j'ai rouillé, tu prends quelques compléments alimentaires pour grossir tout un type.
Ils font. De toute façon, dans cette région-là, ils font que des réputations de chacal. Je vais maintenir au niveau des mots. Bosser et vous allez avoir des résultats. Ah, c'est jaloux là. Ça y est, tu portes du lourd en cuisse. Ça y est, ils ont fait un catabolisme, je ne sais pas quoi. Ils ont fait tas d'idées dans leur tête qui savent pas pousser à 90% de leur force. Soyez avec un pote ou motivez-vous vous-même. C'est que déjà des gens qui jactent pour rien. Ils parlent pour rien dire, ils parlent pour critiquer, ils ont la rage, ils veulent que tu leur donnes tous les conseils. Mais non, moi quand je bosse à la salle, donc ce soir j'étais tout seul au niveau séance cuisse, j'ai soulevé du lourd, j'ai chauffé c'est vrai, à 150, à 200 kilos. Ouais, j'ai fait des reps, 6 reps, 7 reps, de 8. Moi, je bosse, je m'en fous. Donc, prenez un sopalin et des papiers toilettes, nettoyez-vous, comme ça. Donc, je voulais évoquer, moi, je suis à 100% naturel, 100% réaliste ce que je fais dans mes entraînements. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je dis, I want a two biceps, big arm, big biceps, big chest. Big chest, big arm. Big arm, big chest, big hip, big chest, big arm. I want a two biceps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis, I want a two biceps, avec mes biceps. Bye bye.